Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour ce premier jeu de l'été. Oui, je dis le premier parce que Space Marine ça dure 10 heures. On va jouer à Warhammer 40 000 Space Marines. Alors pourquoi? Parce qu'il y a le 2 qui sort à la fin de l'année. Et au moins comme ça, ça nous remettra un petit peu comment ça s'est passé. Et nous allons incarner le Titus, un ultramarine. Voilà. Oui, je crois que ça dure une dizaine d'heures le jeu. Le jeu est sorti en 2011 sur PS3, 360 et PC. Voilà. On a un peu que... Donc on va se retrouver sur une planète où apparemment ça se passe pas bien. Il y a des orques qui nous attaquent, qui attaquent l'Imperium de l'humanité. Et nous, on va revenir en tant que Space Marine pour leur casser la gueule. Sécuriser les titans en avant! Tuez les ennemis! Pour l'empereur! Regardez comme je suis beau! Bon, je rappelle, le jeu a 13 ans. Bonjour, une saloperie d'ultramarine. Capitaine Titus, les orques ont exterminé les forces du monde Forge. Et ils se sont emparés des armes de défense planétaire. Ces saletés d'orques sont futées. Ils se débarrassent de nous afin de s'emparer des machines de guerre titan. Prêt pour des manœuvres dilatoires. Pilote, au rapport. Le moteur de tribord est mort, sergent. On perd de l'altitude. Mettez le vaisseau à l'abri. On descendra autrement. Oui, capitaine. La Thunderhawk lance le jour retourne à la baie. Oui. Moteur dorsal. Nous sommes des Space Marines! On doit atteindre la surface pour détruire le canon. À moins que vous ne vouliez rentrer, sergent. Pas avant d'avoir réglé nos comptes avec les orques. Vous êtes sûr, capitaine? Le codex Astartes n'approuve pas ce genre d'action. Essayez de suivre. Oui, les ultramarines, c'est le codex et que le codex et rien d'autre que le codex à la base. Hein. J'ai un couteau là et un pistolet. Voilà.
pistolets et des munitions infinies. Quoi ? Mais... Technoblair ! Je sais pas recharger. Excusez-moi, je ne sais pas recharger mes armes. Ah, j'ai trouvé. Death Nutling ! Des orques ! Un boys. Impérium de l'humanité. Donc bon, bah la barre rouge, hein, c'est ma vie. Et quoi? J'étais en train de parler. Et c'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu. Taper des gens. Un seul coup. Merci pour la vie, mon ami. Puis le bouclier. Donc que ça se recharge. J'ai un plus 3 pour toucher, je touche sur du 3 plus. Quel tap. Où est le feu ? Qu'on y va. C'est le boys! C'est le boss! Big boss! Ah, pour faire des relates de combat! Dégage. Allez, on y va. N'aie pas peur de Pistol Boys. Vous avez de la chance. Je n'ai encore qu'un coutelas. Plains, Marines. Il y a de la chance que le Big Boss, il nous ait pas attaqué. Hein. C'était le boss. C'est bon, j'ai trouvé mon ascenseur. Tout va bien. J'ai atterri avec le vaisseau.
Au nom de l'Impérium de l'humanité, je vous casse tous le cul. Oh, j'ai même pas de poussière sur mon brushing. Je suis trop fort. Je suis un Space Marine. Capitaine Titus, répondez. Ces fichus orques ont dévié mon vaisseau. J'ai pas de nouvelles de Léandros. J'intercepte néanmoins des transmissions des forces de la garde impériale au sol. Je ne pensais pas qu'ils étaient vivants. Encore moins capables de se battre. Je me dirige vers les lignes de front. Je vous retrouve là-bas. Ok. Donc on a évidemment des objectifs, on a des cervocrânes à collecter. On s'en fout, c'est pour, voilà, c'est pour les succès, nous on est juste là pour casser de la gueule aux orques. Ça fuit. Aie peur de moi, Snotling. Je suis le meilleur de l'empereur. Alors c'est un jeu couloir, hein. Lâchez-le. Évacué dans le calme. Les perturbations publiques ne sont pas tolérées. Oui. Y a-t-il là-dedans un cadeau ? Accès autorisé. Que l'Empereur soit avec vous, Space Marine. RB pour recharger, RT pour tirer. D'accord. Par ici, boys. Pour l'Empereur. Et on peut changer d'arme. Évidemment. Oh là-bas ! Crabouillez-les ? Donc le pistolet, on a des munitions infinies et les autres armes, non, évidemment. Il me tire dessus. Là, des orques. Il était à couvert, il avait une sauvegarde en plus. Oh, oh. Pour l'empereur. Capitaine, détruisez-les. C'est costaud, hein. Il est mort. Il est mort. Ce sont des lâches. Ils ne veulent pas se battre corps à corps. Pour l'empereur.
Il a bien raison. Achève-le. Vous êtes blessé? Le codex Astartes déconseille d'utiliser les réacteurs dorsaux pour se jeter aveuglément sur l'ennemi, et à juste titre. Vous n'êtes plus novice depuis bien longtemps. Pourquoi suivre le codex de façon si stricte? Ces règles m'aident et me servent de guide. À nous aussi. On passera sur la lip-sync. Il y a aussi des avantages à penser par soi-même, Leandros. Je viens de te dire que t'étais qu'une merde. Ennemi repéré. Je me défendrai au nom de l'Empereur. Pas des Snotlings, des Gretchen et tous les trucs verts qui vont me tuer. Au revoir. Tuez les Gretchen. Direction le canon de défense, capitaine. Sidonus a capté des communications locales de la garde impériale. Ils ont survécu malgré la menace du canon. Je veux savoir comment. La garde impériale n'abandonne jamais. Continuez à tirer! Continuez! Un bon combat! Attention avec ton fusil, garde. Tu tires sur un élu de l'Empereur. Les Adeptus Astartes sont là. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Allez, on les tue. Coup d'épaule. Bon. Bien, fidèle l'Empereur. Seigneur, vous nous avez sauvés. Debout, garde. Vous vous êtes sauvés vous-même. Vous croyez mort? Sans le lieutenant, nous le serions, monseigneur. Où peut-on trouver ce lieutenant? En première ligne. Suivez les tranchées jusqu'au bunker de commandement du lieutenant. Allez-y, garde. On rejoint d'abord Sidonus, et ensuite on trouvera ce lieutenant. Il nous faut des informations récentes sur le canon. Oui. Au nom de l'Empereur. Ici, seigneur. Allez au niveau supérieur et traversez la place. Le bunker est plus loin. Remarquable. Quelques centaines contre un million d'orques. Et ils résistent. Quoi? Le devoir ne cesse que dans la mort. Lâchez-moi! Mes jambes! Je sens plus mes jambes! J'aurais vu un Space Marine avant de mourir. Empereur Dieu, protégez ceux qui se battent en votre nom. Le Space Marine, le meilleur de l'Empereur! Capitaine, je suis en position près d'un monument en ruine et des rangs de la garde. Très bien. Nous arrivons. Les quotas doivent être atteints. Malgré les instructions tuées, le la délinquance voilà. Est un affront sur la machine. Quittez les Space Marines! Au revoir! Sergent, je vois que vous avez trouvé de quoi vous occuper. Pas d'inquiétude, capitaine. Je vous ai gardé quelques orques. Il semblerait bien que les orques protègent efficacement ce canon. C'est pourtant contraire à leurs habitudes de ne pas avoir démonté ou détruit cette arme. Tout comme de l'utiliser pour tenir nos troupes à distance. C'est un comportement stratégique. Leur chef n'est pas idiot. Les choses deviennent intéressantes. Des orques intelligents? J'ai peut-être rencontré cet orque lors du saut vers la surface. C'était sûrement le vaisseau orque que j'ai vu s'écraser pas loin d'ici. Il a survécu? Si la Horde n'a pas sombré dans le chaos, c'est qu'il la contrôle encore.
L'épée tronçonneuse, grâce à sa puissance dévastatrice et sa vitesse étonnante, l'épée tronçonneuse Elstith Mark 11 est l'arme de combat rapprochée de prédilection des Space Marines. Je vous trancherai en deux. Je vous découperai grâce à mon épée tronçonneuse. Du sang. Ok. En déplacement. On arrose la zone. Une belle wague. Personne ne tue un marine. Munitions ? Je ne sers à rien. C'est qu'on en a ici en tout cas. Visez ce squeak. Très bien. En hauteur, nous prendrons l'avantage. Un squeak explosif. Meilleur tireur. Je l'ai dit, je suis le meilleur de l'empereur. Ça sert à rien, je sais. Mais c'est pour l'empereur. Ils sont bien trop nombreux. Non, gardes impériaux, nul n'est assez nombreux pour nous résister. Je vais exprès de ne pas viser. Prendre des munitions. Il y en a ici. Des grenades. C'est bien ça. Ah
Nobs. Space Marines, merci. On se croyait perdu. Où est votre commandant? À l'intérieur, mais c'est verrouillé. Je pense qu'ils vont nous laisser passer. Garde impériale, nous sommes des Ultramarines. Ouvrez la porte. On peut le descendre. Des Space Marines. Alors. Des nouvelles des éclaireurs. Une autre horde de peau verte va bientôt arriver du sud. Un maudit Grey Chin a tranché la gorge de Saul il y a 2 jours. Les éclaireurs repoussent le secteur 31 a été entièrement bombardé. Pas de survivants. Juste des corps. Partons. Renforcez leur position. Tenez la ligne. Restez en vie. Oui, lieutenant. C'est une madame. Soit l'empereur. Second lieutenant Mira, du 203e régiment cadien. Capitaine Titus, des Ultramarines. C'est vous qui commandez? Il n'y a plus que moi, monseigneur. À moins que mes commandants ne reviennent d'outre-tombe. Pour l'instant, ils semblent préférer la mort. Lieutenant, les éclaireurs sont de retour de la base avancée. Combien sont-ils? 2. Bon sang, j'en ai envoyé 10. Ce satané canon. On n'est pas assez nombreux pour lancer un assaut. Et comme vous avez pu le voir, il abat sans répit tous nos vaisseaux de soutien. C'est pour ça que nous sommes là. Laissez-nous le canon. Alors suivez-moi. Je ferai mieux de vous avertir. On a un petit problème avec les orques ici. On n'avait pas remarqué encore. Allez. Vous auriez des munitions de Bolter. Scanner des métiers terminé. Adeptus à Sartes. Accès autorisé. La fureur de l'empereur. Donc j'appuie sur L et R et je deviens super fort. Que savez-vous des titans de cette planète? Seulement que nos troupes ont été envoyées pour protéger le titan Invictus au Manufactorum à Jakis. Mais c'était il y a 2 semaines et nous avons perdu tout contact. Nous devons atteindre ce titan. Le chemin le plus rapide est de passer par le pont derrière le complexe d'armes. Il mène directement aux portes ouest du Manufactorum. Et en première ligne au nom de l'empereur. Trouvez-moi le manuel! Coincé sur ce maudit monde fort, j'ai pas un seul technogure en vue. Les canons! En avant! Croiseur! Croiseur! Formez une ligne d'attaque! Oui, formez une ligne d'attaque! Tant que moi, je les tue à tous! Je peux pas. J'ai pas pu le choper. Je sais pas où je suis. Des munitions et des grenades. Mais t'étais presque plein. Je m'en fous. C'est à moi. Voilà.
tête. Tranché par-delà les ruines et les remparts plus loin encore. Parlez-nous du canal. Les orques s'en sont emparés quand on est arrivé ici. C'est ça, cassez-vous! Autorisation arme confirmée. Accès autorisé. LT pour zoomer, RT pour tirer. Nous avons maintenant un sniper. C'est par là que les orques ont pu accéder au canon. On n'a pas été en mesure de franchir le mur. On est nul. On n'est pas assez nombreux pour ça. Vous avez survécu tout ce temps seul, lieutenant. C'est honorable. Mais vous n'êtes plus seul. Nous allons reprendre le canon. Vous aurez droit à vos renforts. Nous allons... Je compte sur vous, capitaine Titus. Un millier d'hommes seuls. Alors... Pas dans la forteresse. Nous retournons au poste de commande, capitaine. Bonne chance. Très bien. En avant, Space Marine. Les citoyens seront refusés dans les services médicaux des secteurs 29, 30, 34. Les travailleurs blessés doivent se faire soigner dans le secteur 46. En avant. Pas l'utiliser souvent, hein. Le sniper dans le jeu. Mission. De la ça va parler. Dégagez. Encore. Encore. Ah. Oh. Ils sont fourrés partout, ces saloperies. Besoin de grenades. Un cerveau-crâne! Il en aura au moins pris un dans tout le jeu. Et en avant. Les Space Marines! C'est les Space Marines! J'aime tirer dans les fuyards. Il en aurait pris un deuxième. Ah,
Mis donc tirer dans tout ce qui explose. Nous utiliserons la brèche percée par la roquette pour entrer dans la forteresse. Allez. On fait un trou. En avant. Battez-vous, Space Marines. À l'époque, le jeu était fou. On va mettre dans l'époque. De les défoncer. De porte. Il y aurait plusieurs armes dans le jeu. Hein. Après, il y aura d'autres armes. Bien drôle. Alimenter les machines orques à l'autre bout du champ de bataille. Un drop pod. Bien. Allons-y. Des modules de soutien d'assaut ont été largués dans cette zone. Maintenez A pour le lancer réacteur dorsal. En vol, appuyez sur X pour vous abattre. Occupez-vous du haut, capitaine. On se charge des orques en bas. M'occuperai de tous. Comment osez-vous? Alors, ils sont où? Space Marines!
pas sauter assez haut. Je vous aide, c'est ça? En avant. Nul, mec. Plus que ça, merde. Je veux bien te faire tronçonner. Les tireurs. Je m'en occupe. Il est tombé. Espèce de lâche. Là-haut. J'affrontais mes frères. Bon, pour qui lui? Ah, il s'est pris pour Jackie la frite. Bien. En avant. Pas de place pour ce réacteur dorsal. Merde. Leur a ouvert les portes de la forteresse armée. Le ventre de la bête. Oui, alors, au niveau des réacteurs d'orse tout, ce sera de temps en temps, on en aura. De temps en temps, on a le droit au bonheur. Et le reste du temps, on ne sera qu'un Space Marine. C'est ça, fuyez, bande de sacs à merde. Quels orques? Pas d'orques. Chargement de la manie. Oui. C'est nous. C'est des gros canons. C'est infesté d'orques. Nettoyer cet endroit prendra des jours. Ces gardes ne pourront pas survivre aussi longtemps. Il faut à tout prix trouver un moyen de détruire le canon. Là, on va avoir une arme drôle, si je me souviens bien. Au canon vengeur expérimental. Un canon vengeur? Ça m'a l'air intéressant. Alors, donc là, on va tirer et après, on va pouvoir déclencher des explosions. Je vais vous montrer ça. Bon. C'est très drôle hein, comme arme. Ça va forcément nous être utile. Une bombe à fusion. C'est la bombe à fusion. Regardez, capitaine. Des charges à fusion. Il suffit de placer ces engins au bon endroit pour anéantir toute la forteresse. On pourrait poser la charge sur un des obus du canon. Léandros, vous faites la fierté du chapitre.
C'est bien, Jackie. Sécurité désactivée. Savez-vous que nous tenterons de ces machines en dépassant les combats. Justement besoin de vie. Oui, oui, le massacre du sang pour le dieu du sang, du sang pour le dieu du sang. Vous êtes un Space Marine, capitaine. Ne parlez pas comme un hérétique, c'est pas faux. Ah. Le sang. En avant. Alors ça peut être mortel, hein, parce que vous êtes pas... immunisé aux explosions. Aux munitions. En avant. Là, c'est marrant comme arme, hein. Canon Langer. Accès limité au pont supérieur. Bien. Cerveau-crâne. Ils sont pas prêts d'être à court de munitions. Bien. La manette, les gars. Laissez ces Gretchen. Avancez, frère. Ok. Voilà,
poser la charge sur cet obus. Le bien, c'est que c'est des tout petits obus. L'obus fait la taille d'une baraque. On montre qu'on a des gros muscles. C'est chargé. Avec un peu de chance, les orques le mettront dans la chambre du canon. On ne peut pas compter sur la chance, Sidonus. Il faut suivre cet obus et veiller à ce qu'il atteigne sa destination. Ok, on retourne à l'ascenseur. En avant. Les Marines, pas le temps de s'arrêter. Excusez-moi, Zen. Et folie sanguinaire. C'est le dieu du sang qui a pris possession de mon corps. Je suis un petit peu chaotique, hein. J'ai décidé d'être un chaotique. Ça ne vous fait rien. Attention. Ce n'est pas un exercice. Préparez les bolteurs. C'était pas là l'arrêt. Mauvais étage. Au niveau du canon rangeur, c'est bon. Tout prêt. Trompée de touche. Facile. En avant. Vous allez partout à mourir. Bien. Ouvrons la porte. De la batterie. Là, un deuxième ascenseur. Bien avant. Seulement des munitions, frère. Pas besoin. Avant, frère.
Montez dans cet ascenseur, bande de larves. Allez, Bolta. Tireur d'élite. Alors, la ferme permet désormais de passer en mode tireur d'élite. Le temps ralenti. Voilà. Pour avoir un meilleur... Donc quand on passe en mode furieux, on appuie sur LT pour passer en mode tireur d'élite, quoi. Alors il faut les remettre. Léandros, mettez l'obus dans le chargeur. Je vous couvre. En avant, Léandros. On est visé. Attends. On nous tire dessus. Grenade. Merci. Y'a un ob. Pour l'empereur. Mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.